Hey, salut tout le monde, ici Funky Finn, et soyez la bienvenue dans Boogeyman 3.0 Nightmare Edition. Excusez-moi, je suis perturbé parce que j'ai cru le voir là derrière moi. le Boogeyman. Et donc je viens juste d'allumer le jeu. Et donc, mise à jour, Nightmare Edition, tout ça, apparemment beaucoup de choses ont changé. Notamment déjà l'allumage du jeu. Il y a mes potes House Exploration, Cassette Player. Oh putain, c'est un miroir. C'est un menu. C'est un menu où on se balade, c'est ça? Nightmare Night. New game. Continue. Nightmare Night. Non. Excusez-moi les gens, je suis juste con. Je suis juste un imbécile. Voilà, c'était le quit. Et j'ai utilisé toute ma lampe là. Cool. Fun, great. Ah. Ah, ça y est, le Freddy est devenu un panda. Ah non, il est là. Et ma langue veut vraiment plus marcher. C'est mort de chez mort. Ok. Ben écoutez, vu que les choses ont changé, on va peut-être se taper un new game. Ok. De toute façon, les Nightmare Nights sont bloqués. Donc il faut qu'on refasse le jeu. Il le faut. Ben, vous me direz dans les commentaires, hein, si vous voulez que du coup je me refasse toute cette nouvelle version. Donc mouse control, action bouton, flashlight, squint, 1, 2, 3, ok c'est les machins, option menu, ok. Oui, utiliser un casque. Le action bouton, to open the door. Ok, ça je faisais, c'est pareil je crois le système des portes. What the fuck? C'était vraiment un monstre? Si je suis fait attaquer par un requin? Requin démoniaque, faut... Ok, le nounours, ça va. Le requin, c'était pas bien. Il me fait peur, le requin. le requin, il est méchant. Hein? On peut trouver des cassettes pour les écouter dans le truc du départ. Ouais. Thomas Room. J'ai même plus le choix de la difficulté maintenant. Le jeu. Il faut que je recommence de zéro. If you're listening to this, I sure hope you're not planning on sleeping in this room. I'm Alicia, and if you've unfortunately only stumbled across this tape during the dark, it's probably watching you right now. I left a flashlight under the bed if you've not already found it. It's the only thing they're scared of. I've tried telling people. The bogeyman. He got my sister. No one will believe me. They won't believe you either. Trust me. You'll need to learn to find this by yourself. There's a spare battery hidden under the floorboard, under the bed. They're kind of mixed up, sorry. If you can last long enough, it'd leave you alone. Like it did me. Eventually. I hope. T'es chaud à 90 FPS, wesh. Là en jeu, hein, je... je vous avoue que déjà faire une vidéo 60 FPS est plutôt lourd pour ma connexion internet. 90.
ça comptera même pas sur YouTube. Here, what's this? It's a flashlight, stupid. Everyone knows the bogeyman is scared of light. So if you ever get scared, just shine your flashlight, okay? Thank you, Al. I'll sleep much better now. Just make sure not to fall asleep with it on. Otherwise the battery will run out. Bon, et... Oh, mais il a complètement changé son modèle, non? Et c'est normal que j'ai pas d'interface? Première nuit, on a pile infinie. Ou c'est ça ma pile? T'es sérieux? T'es sérieux? Faut toujours que je regarde là? Putain. Il a changé, il a clairement changé. Bon, déjà, il est plus brun, je dirais. Et il est venu du plafond, là. Il n'y a plus du tout les mêmes animations. Oui. Bonjour le cochon. Tu vas bien? Putain, mais c'est gore ça, si notre interface il est toujours là, quoi. C'est gore. Il me semblait pas que je pouvais fouiller plus de la maison avant. Après, je me suis peut-être complètement fourvoyé. On va assez vite apparemment. Boogeyman. Boogeyman, boogeyman, boogeyman. T'es où? Le boogeyman. C'est vrai que j'adorais dire ce mot. Le boogeyman. It's... Boogie boogie. Ou boogie boogie. Oula! C'est moi où t'as une tête de taupe vénère. Je sens que ça va être cité dans les commentaires, ça. Ah, il est là. J'étais un peu mongol, je ne le trouvais plus. Non, mais d'accord. Hein. Je sais pas si ça fait ce bruit chez vous quand les lampes s'éteignent, mais... C'est pas quelque chose dont je suis habitué. Le cochon, il est là. Freddy, le panda. Il y a tout le monde. Sauf le Pokémon. C'est la première nuit. Là, je trouvais presque que le temps passait vite, mais du coup, quand le boogeyman est là, ça ralentit tout. Hein. Dans l'esprit, alors. Parce que... Le boogeyman. Où est-il? Vérifions ce que j'ai dit. Putain, c'est ça. Pardon, faut pas que je dise de gros mots. Mais bordel, c'est ça. Notre interface est à côté du réveil, quoi. Pardon, je suis enrhumé depuis l'année au cast. Putain, la lumière du jour me fait peur. Ce jeu est possédé ou ici poché. Ici poché. C'est toujours la chambre de l'Easter Egg, je suppose. Fermé.
Merde, c'est vrai qu'il y a ce délire là, faut pas passer au-dessus des conduits. Un truc du genre. Il va falloir que je sois très attentif, hein. Allumez la lumière. Allumez la lumière. Ok, elle était déjà allumée. Le requin! Putain, il est là. Le terrible requin. Le plus grand des jumpscares. Oh, il m'a trop fait flipper, le requin. Bonjour. C'est quoi ce bruit? Non mais oh! Non d'accord, fuck. Je vois rien dans cette chambre. Mais... J'ai récupéré des trucs. Je sais pas ce que c'était. C'était une cassette. Pour moi c'était... c'était un god mais j'ai pas bien vu. Et mais comment tu veux que je vois s'il est là? C'est pour ses yeux brillants je suppose quoi. Ouais. Donc ça c'était le truc qu'on avait. Oula oui. Je ne peux plus le dire. J'ai plus le droit. Hey, merci pour essayer Speedy Move. Positif que tu vous aimais votre nouvelle maison. Oui, nous avons, comme vous l'avez demandé, nous avons cherché la date à laquelle cette maison a été construite. C'était en 1878. Les petits soucis d'électricité que vous avez, que nous avons rapportés, sont dus à la vieille... comment on appelle ça? Fusebox, comment on traduit ça en français? Truc électronique, quoi, tu vois, dans la cave. Disjoncteur, sûrement. Ouais, comme on l'avait dit quand vous avez acheté la maison. Oui, non, quand la maison bénéficiera d'un nouveau Fusebox, quoi. Kitty Leach, Arias. Sales manager. Le vent, tu te calmes là ou. Church là. Putain, y a beaucoup de maisons. Do you know who I am, Alicia? Yes. You're here because of the voices, right? Yes, I'm here to help you understand what they are. C'est là, on l'avait déjà entendu. You hear the voices in the night, Alicia? Yes. Where are they coming from? What do they say? Whispers to me. That I need to leave the house. That it's not safe. Bon, ça l'éteint, mais je pense qu'on l'avait déjà entendu. Comment dire? Cette maison pourrait au moins avoir l'air semblant d'être éclairée. Juste un peu, quoi. On se calme. Hein. Moi je dis on se... Oh oh! Mais je vois rien. Sérieusement, quoi. On s'est fermé la clé, de toute façon. Et ça, je vais pas tenter ma chance. Ce soir, non, non, ça ira, merci. Une autre fois.
toujours fermé ceux-là. Pas là, on est d'accord. Bon bah c'est parti hein. Nuit 2. Alicia, come on. You know you shouldn't be out of bed, eh? Mum and Dad will get angry again. Oh, stop being a baby. Now close your eyes and count to 10. Okay. 1. Pokémon a changé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah! Toujours aussi rassurant ce passage. Ouais, elle compte. Donc on va essayer ces objets, hein, les tester. Dès qu'il viendra. Bonjour. Merde. Ok. On est plusieurs ou... Ou qu'un seul du coup. De pétard. Toujours là, ce bon vieux macaque. Bonjour. Merde, du coup j'ai de nouveau oublié d'utiliser mon objet. Hello. C'est quoi ce délire? Il a disparu vite. Bon, ok, ça c'est les glow sticks, on voit bien mieux avec. Et ça va toi, ta respiration là Tu veux bien arrêter 2 minutes ou t'as décidé d'être psychosant? Putain d'accord, c'est lui qui avait fait ce bruit avant. Putain, ok, vas-y, c'était... Oh! Ok, ça fait passer le temps plus vite, c'est ça? Ok. Ça fait passer le temps plus vite. La 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 la. Et du coup, il fait plus que ses nouvelles animations. C'est presque semi-dommage, ça. Il aurait pu avoir, du coup, les deux. C'est peut-être ça le secret, du coup, quand il y aura deux Boogeyman, il y aura les deux modèles. C'est ça, c'est cool. Parce que j'avoue que j'aimais bien l'ancien modèle, moi, quand même, aussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le nouveau modèle contre l'ancien. Lequel préférez-vous ?
Pickles. Voilà, il prend bien le temps de regarder quand il vous la porte. Comment dire, les glaustiques auraient plutôt été la bienvenue. On va le dire comme ça. Oh merde! Tu peux encore venir quand il fait jour maintenant, ok. On va faire gaffe. Le jour n'est pas safe, safe, safe. Hein. Pas tout de suite. Et bien voilà, les amis, c'est ici que. On va s'arrêter cette première vidéo sur The Boogeyman. Boogeyman 3.0 Nightmare Edition, yeah, one again. Bah dites-moi ce que vous pensez dans le, ce que vous en pensez dans les commentaires, si la suite vous intéresse, tout ça. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.